quand je nous regarde et je nous compare à nos voisins ou aux autres pays de l'OCDE, on travaille moins par rapport à la vie tout entière et on travaille moins rapporté à l'année. Et toutes les études économiques le montrent, le différentiel que nous avons de création de richesses et donc de revenus pour nos concitoyens, il est lié à ce travail en moins. Si on se compare aux Allemands sur les 15 dernières années, si on se compare aux Américains. Et on travaille moins rapporté à l'année. On travaille moins. Les 35 heures sont une référence légale théorique aujourd'hui. Elles sont renvoyées au dialogue social. Je crois à cette méthode, je pense que c'est la bonne. De création de richesses. À travailler davantage, à ce travail en moins. Tu travailles tout au long de la vie. Ça renvoie à des complexités, les entreprises ne font pas de la même manière, il faut que ce soit optionnel. On doit travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. C'est plutôt de bon sens. Quand je regarde notre pays aujourd'hui, et quand je regarde aujourd'hui ce que font nos concitoyens, ils partent. Et donc c'est sûr qu'on va avoir de plus en plus de mal à financer le système. Et je crois qu'on a profondément répondu à ce problème. C'est en train de changer, et c'est une bonne chose. Et ça, c'est un changement qui se traduit davantage de travail, de création de richesses. L'espérance de vie n'a cessé d'augmenter et l'âge d'entrée sur le marché du travail n'a cessé de reculer parce qu'on fait plus d'études. Et donc, c'est sûr qu'on va avoir de plus en plus de mal à financer le système si on travaille de moins en moins longtemps, mais qu'on vit de plus en plus longtemps hors du travail. Travailler davantage, de création de richesses hors du travail. Moins. Quand je nous regarde et je nous compare à nos voisins ou aux autres pays de l'OCDE, moins. On travaille moins par rapport à la vie tout entière et on travaille moins rapporté à l'année. Moins. Et toutes les études économiques le montrent. Le différentiel que nous avons de création de richesses et donc de revenus pour nos concitoyens, il est lié à ce travail en moins. Si on se compare aux Allemands sur les 15 dernières années, si on se compare aux Américains. Les 35 heures sont une référence légale théorique aujourd'hui. Elles sont renvoyées au dialogue social. Je crois à cette méthode et pense que c'est la bonne. Voilà, de manière très précise et détaillée, les réponses à votre question.